Bon matin tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite méditation au jardin. Alors, pour des effets techniques, on ira dans le jardin après la méditation. J'avais envie de simplement de vous offrir quelques respirations dans le fond parce que je sais que plusieurs parents tombent en vacances aujourd'hui. En fait, plusieurs enfants tombent en vacances aujourd'hui, puis peut-être des parents aussi. Et ça peut occasionner tout un lot de réaménagement de vie, hein? Les vacances. Et des fois, c'est la perte de routine. Il y en a qui ça leur fait du bien. Puis pour d'autres, il y en a que c'est plus stressant. Alors, commencer la journée en méditant, c'est toujours une bonne idée. Ça permet de juste poser souvent d'abord une intention pour notre journée. Ça permet de prendre le temps de juste sentir où est-ce qu'on est, comment on arrive dans notre journée. Puis, ça fait du bien. Alors, je vous invite à vous asseoir confortablement ou peut-être rester debout, vraiment allonger la colonne. Vous pouvez même prendre le temps de vous étirer complètement. Puis, de faire de l'espace dans le dos. Puis, si vous voulez vous accoter à l'arrière, là, moi j'ai une chaise de patio, je ne vais pas m'accoter, je vais rester comme juste bien assise droite. Puis les bras peuvent être le long du corps ou les mains sur les cuisses ou juste comme c'est confortable, mains sur le ventre. Et commencez par prendre quelques grandes respirations par le nez, puis expirez par la bouche. Donc, laissez aller tout ce dont vous n'avez pas besoin à chaque expiration. Laissez aller la respiration, puis venez juste fermer les yeux, c'est confortable. Et simplement, écoutez les sons qui vous entourent. Peut-être que vous allez entendre les sons qui m'entourent, il y a des oiseaux, des voitures qui passent. Laissez les sons venir un à un à vos oreilles. Permettez-vous de juste vous déposer ici et maintenant, de choisir d'être ici et maintenant. Puis doucement, laissez votre attention venir sur les sensations physiques du corps, les pieds déposés au sol, les sensations physiques du bassin déposées sur la chaise ou là où vous êtes assise. Les sensations physiques dans les mains. Et les sensations physiques dans les épaules. Puis toujours les yeux fermés. Rapportez votre attention sur le souffle. Observez l'air qui entre doucement. Et l'air qui ressort doucement par le nez. Rien de plus à faire. Simplement. Toute l'attention sur la respiration. Une respiration à la fois. On observe les parties du corps qui bougent quand on inspire. Et les parties du corps quand on expire, celles qui bougent. En restant consciente, conscient de la respiration, venez poser votre attention sur le cœur et sentir
le cœur à l'intérieur de la poitrine. Et si ça vous aide, déposez la main sur le cœur. Et prenez simplement le temps de sentir tout l'amour qui se trouve dans votre cœur ce matin. Et permettez-vous de vous en offrir une grande, grande dose de la tête jusqu'aux pieds. Une grande dose d'amour avec l'inspire. Ça se répand dans chacune de vos cellules, dans chacun de vos membres. Je vous invite à écouter votre cœur. Il y a peut-être un message, peut-être une phrase simple pour votre journée. Si c'est plus ou moins clair, je vous invite alors à poser une intention pour votre journée. Une intention simple aussi au présent, qui commence par « je ». Peut-être « je suis présente » ou « aujourd'hui, je m'offre plus d'amour. » Choisissez une intention qui vous fait du bien et placez-la dans votre cœur. Puis doucement, je vous invite à nouveau à prendre quelques grandes inspirations par le nez. Grande expiration par la bouche. Puis doucement, vous pouvez ouvrir les yeux. Vous étirez à nouveau, faire de la place. Puis doucement, je vais déplacer mon écran pour vous montrer une plante que j'adore spécialement pour le cœur. Elle prend soin du cœur. On peut la prendre en tisane. On peut la prendre aussi en teinture. Et on peut la manger. Elle est vraiment belle dans les salades. Alors, je vous montre la pensée sauvage. Regardez comment elle est belle. Puis c'est vraiment une plante qui s'installe au jardin. Hein? On peut la mettre là, mais on peut aussi regarder. Il y en a plein dans mon jardin. Des gros bouquets. Puis plus on en cueille, plus on en a. Donc, c'est vraiment du gros bonheur. Puis, elle a un petit goût de thé des bois qui fait vraiment plaisir en tisane, mais juste à la langue aussi. Alors voilà, c'était le petit moment méditation au jardin. J'espère que ça vous a fait du bien. Je vous souhaite une très, très, très belle journée et on se retrouve très bientôt. Salut!